Mais bien récupéré. Je suis parti dans le vestiaire de Bastia. D'accord. Donc je demanderai à Julien Cardi. Je vais demander à Yacine Alazouzi. Peut-être à Bastia. Non, on a vu Julien Cardi. Alors c'est Jean-Luc qui s'étonnait de voir Julien Cardi frapper ce penalty. Il avait été quelque peu chahuté quelques secondes auparavant. Vous, si vous êtes chahuté, s'il y a un tacle sur vous, est-ce que vous frappez les penalties juste après? Non. C'est la consigne de Fadrigant. Oui, voilà. Et on sait très bien que le coach, il faut respecter les consignes, mais. Non, en général, souvent dans les équipes, le joueur qui subit la faute ne tire pas le penalty. Là, il a voulu la tirer, donc tant mieux. En plus, je lui dis juste avant, tu vas le mettre, hein. Tire à la droite. C'est bien, vous chambrez, c'est très bien. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Septième défaite de la saison pour Bastia, la septième à l'extérieur. Voilà, c'est des chiffres qui ne doivent pas vous faire très très plaisir. Ça ne change pas grand-chose. On en revient à la même histoire que lundi. Hein. Lundi, il y avait 15 points d'avance avec 5 matchs. Là, 12 points d'avance avec 4 matchs à jouer. Déçu tout de même, forcément. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir? Un peu de justesse, je pense. On n'a pas appliqué... certaines choses, c'est des mouvements assez simples, de se retrouver entre les lignes et pouvoir se retrouver sur la dernière passe. Et là, ce soir, on a fait une faute et on s'est fait surprendre avec ce but. On voit très bien que le joueur adverse, Diego, fait une faute en bousculant Jérémy Choplin. Et donc après, voilà, quoi, il faut batailler, on est chez eux. Aussi, ils se sont réveillés. On a essayé de pousser jusqu'à la fin, mais bon, c'est la vie. Hein. Thomas, Jean-Luc. Ouais, Thomas, est-ce que tu peux demander à Yacine s'il a fêté la victoire contre Châteauroux et s'il a bien dîné après le match? Jean-Luc, Jean-Luc Arribar me demande comment vous avez fêté ou non la victoire contre Châteauroux, l'accession en Ligue 1 lundi dernier. Est-ce que vous avez été sage? Est-ce que vous avez bien mangé, bien récupéré? Est-ce que vous êtes bien hydraté? Ouais. Moi, je crois, j'ai pris exemple sur Savina. C'est très bien que Savina était sage après les victoires. C'est vrai, ce qui est vrai. ce qui est très vrai. Non, là, c'était bien, c'était la fête jusqu'à 4h du matin. Ah ouais, d'accord. J'ai vu que pas personnellement. Mais non, dans les rues de Bastia. Mais bon, c'était impossible de dormir. Le peuple corse était en furie. Et on se dit, vous avez fait exprès de perdre ce soir pour fêter l'accession contre Metz. Ce sera mardi 1er mai, à Armand Césari. Quand on a vécu l'ambiance de lundi dernier, on se dit, ils ont envie de retrouver ça mardi à Armand Césari. Fait exprès de perdre, non. Dire au coach. On est d'accord. Non. Plus vite on atteint cet objectif, mieux c'est pour nous. Et de toute façon, entre nous, c'est plus sympa de le fêter à Armand Césari qu'au stade de la Vallée du Cher. C'est vrai, mais bon, c'est pas bien à ce moment de la saison d'installer un peu le doute sur le jeu, sur l'état d'esprit. Mais après, on sait très bien qu'on va se ressaisir et on va faire le maximum devant notre public qui sera furieux encore une fois, je pense. Donc, ouais, on a tout intérêt de se réveiller contre Metz. Merci Yacine, merci beaucoup. Et puis bon match contre l'équipe de Metz qui est loin d'être sauvée encore. Ce sera mardi. Donc, on va récapituler les résultats.